Hello, hello! Cette vidéo est la partie 2 de ce vlog sur notre dernière journée toutes les trois avec Maëlle et Mathilde, car Maëlle a déménagé quelques jours après pour des raisons professionnelles. Après avoir bien bichonné les petits poulains, on s'est posé un peu chez moi pour manger et je vous laisse un extrait qui me fait vraiment mourir de rire. Je respire pas fort. En plus, moi, je fais une respiration plutôt, tu vois. Mais non, mais je respire pas fort. Non, mais vraiment, pour me décrire, je pense pas respirer fort. C'est toi qui est trop concentrée. Je me sens attaquée. C'est toi qui a grosses écoutilles. Voilà. Mais on s'est déjà vu une fois où tu m'as dit « Excuse-moi, je respire fort » et effectivement, tu as passé la journée. J'étais malade. Excuse-moi d'être malade. La mauvaise foi. Après, je pense qu'il faut pas se leurrer. Hein. À chaque fois que de l'air passe dans un trou, ça fait un bruit. Donc moi, ça paraît normal qu'on fasse deux. Je suis pas sûre de quel terrain tu me... Imagine. Tu fais du bruit quand tu tousses. J'étais malade ce jour-là. Excuse-moi d'être enrhumée. Mais ça va pas. Mais c'est elle. Je prends qui pour taper l'autre? Je prends qui pour taper l'autre? Les tutos de ma vie que je vous présente. Mais parce qu'il était près de mon nez. Mais on m'entend. Faire sur il y en a une ici qui ah bah il y en a une ici qui respire un peu trop fort. Mais je respire. Mathilde, regarde-moi là dans le réel, je filme, je suis effectivement près de mon téléphone. On a vite de tous les jours. Mathilde, attention, on est sur un point culminant de conversation. Est-ce que je respire fort ou est-ce que juste je respire? Mathilde, concentre-toi sur ma voix et pas ma respiration. La ronfleuse, je s'en prends aux autres. Après, ah, oui, rappelle-moi quoi, oui. On va pas se marrer longtemps, il faut mal vous le dire. Il y a des mensonges comme ça, des calomnies. Après, mais comme tu le soulignes souvent aussi, que je suis parfois malade et que oui, Marie de non, c'est pas ce que je dis. Oui, attention. C'est que tu es moitié sombre. Alors, c'est faux. Je veux que tu me dises. Craqué, il y a un petit peu trop de vent. Là avec les filles, on a fini de manger. On vient d'arriver aux écuries. Il y a beaucoup de vent. On va sortir, je pense. Oh, coucou les chouchous. Il y a Jenny qui est couchée. Elle est trop mignonne. Voilà louloute. Voilà.
On va sortir Anakin et Gaara pour leur faire une petite séance. On va en profiter pour faire des petits réels et tout, je pense. Attendez, je vais me protéger du vent. On va leur faire une petite séance, je pense. En profiter pour faire quelques reels, quelques réels pour Instagram. Et puis voilà, et ce soir à 18h, je vais faire un petit cours à Marine avec Jenny, du coup. Et voilà. Et Maëlle, elle est un petit peu bougon. Ah, on demande pas pourquoi. Pourquoi. Reste en dehors de ça, petit. Si, elle peut totalement comprendre puisqu'elle était là. Bon, je ne ronfle pas la nuit. Par contre, même quand il y a plein de vent, je t'entends toujours respirer. C'est tellement drôle. My ego. Tiens, c'est un petit cadeau. Oh, mignon. De la part de Jeanne. Oh, le trou kiki. Oh, c'est Floki. Elle était mignonne et prunée. Non, parce qu'elle a mis au point. C'est une petite photo. Non, elle est trop mignonne en vrai. Ouais. Franchement, trop choupinou. Trop... En plus, c'est elle qui l'a prise la photo. Ouais. Trop. Et elle l'avait fait imprimer. Trop mignon. Non, mais franchement, ça me touche trop comme attention. Non. Récupérer une petite poignée de ses crins. S'il y a un trou dans sa crinière, c'est pas moi. Ah non, vraiment trop bien. Mais elle aurait dû mettre un petit mot derrière ou être de la part d'Onjon. Et tiens, elle t'offre aussi son poney. Mais non, c'est pas vrai. Putain, j'ai des sous-chocs, par contre. Là, je donne. Non, non, non. Elle m'a juste donné... Elle m'a juste Il est à moi. C'est bon, ma réponse. Léa, avec je t'offre l'écurie. Eh ben non. Même pas le McDo aujourd'hui. Genre, en vrai, vraiment, ouais, vraiment, ça me fait un peu, je suis genre... Arrête. Moi, c'est ramassé dans la tête en mode... Ça aurait été super beau, genre juste je te donne une petite photo et après je te dis tiens putain le poney aussi. Bon bref, trop kiki. On va chercher les poneys. Allez go. Elle est partie dans la lumière. De ouf. Oh les Kinder Country dans la boîte de pensage. Avec les... Anakin, la porte c'est non. Ah ok, bon bah si, passe pas. T'as chargé ton poney, Maëlle ? Moins un entier fougueux. Ah, bon bah ouf alors. Allez mon petit chouchou. On va rien faire. Non. Le bout du nez, Maëlle. Est-ce qu'il est très bien? Il est bien là? Oui. Ok. Let's go. Attends, donne, je vais prendre la culture. Merci. Allez, chouchou. Bah, je trouve que le vent il s'est un peu levé quand même. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Non. Tu viens kéké le chien. Oh là là, ce petit amour de chien. Oh là là. C'est donc Mathilde qui a travaillé Anakin pendant que je travaillais Gaara, et après notre séance, j'ai proposé à Maëlle, qui ne monte plus à cheval depuis une dizaine d'années au moins, de faire un petit tour sur Anakin. Et comme ça les gens ils seront trop contents.
puis se dire on a vu Maëlle à cheval. Oui. Essaye d'appliquer ce que tu m'as dit. Change de sens. Oh, dans des années, quand on retombera sur cette vidéo, on sera là. Wow. C'est la première fois magnifique que je ne perds pas un étrier. Ah. Bah alors. Bien. Oui, c'est très chouette. Je pense qu'il y a certaines surprises qu'on a faites aujourd'hui que vous avez dû voir déjà sur le Instagram de Léa. Ou peut-être pas, vu à la vitesse à laquelle je les publie. Ou peut-être pas. En vrai, non. Mais genre, je reviens le week-end prochain en mode bah, en fait, c'est bon, je suis là tous les week-ends. C'est ça, en mode elle se foutait de notre gueule. Non, tu viens plus là. Mais je sais pas. Non, tu viens plus. Ah non. C'est la fin de Maëlle. Allez, Maëlle. Et je reviens. Bon allez hein, bougeons d'ici. L'amour de sa vie. Oh ouais. Le deuxième. Après moi. Exactement. Bah oui. Qui d'autre? Non. Tu peux balayer plus vite s'il te plaît? Elle le fait en plus. En revanche, t'as oublié de manger ton. Mais on va se calmer. Bon, moi j'ai bien tout mon cours. Maëlle, toi, est-ce que tu veux brosser Blacky avant de partir ou pas? Évidemment. Bon bah voilà, bah, comme ça vous pouvez vous occuper un petit peu de Blacky. Pendant que moi je donne mon cours. Et puis voilà. À toutes. Et après ce sera la fin. La fin. La fin. La fin. Pas bien celle-là. Hein. Elle est folle mon gars. Je sais pas qui c'est, mais genre. C'est quoi qui l'a ramenée. Mais vraiment, genre, je l'ai trouvée tout à l'heure sur le bord de la route. Me dire, il y a 4 ans. Les filles ne vont pas tarder à y aller. Bon, et. Je n'ai rien dit. Oui, je sais que tu n'as rien dit. Eh ben. Mais je t'ai entendu. Ah ah. Je m'y attendais pas. J'avoue que. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon, je disais donc que les filles allaient bientôt y aller et moi je commence mon cours donc je pourrais pas leur dire au revoir après. Donc du coup. C'est pas moi qui respire fort là. Hein?
Nénémeni, nénéna. Viens là-bas. Pourquoi c'est elle qui est au milieu? Parce que c'est sa journée, d'accord? Un jour, ça sera ta journée aussi. Au revoir, Maëlle. Adieu, Maëlle. Tu vas nous manquer. Je me sens être favorable. Oui. J'espère qu'on te reverra bien. Voilà, à l'heure où je monte cette vidéo, ça fait déjà un mois que Maëlle est partie. Bon, je ne vais pas vous faire pleurer à chaudes larmes car on se reverra chaque fois qu'elle rentrera sur Nantes pour le week-end. Mais là, ça fait un mois, et c'est pas facile. Elle nous manque beaucoup. On avait pris l'habitude de se retrouver toutes les trois aux écuries chaque semaine, et c'est quelque chose qui manque beaucoup à mon quotidien. Maëlle, vous savez, ça fait des années maintenant qu'on se connaît. On s'était rencontrés grâce aux réseaux sociaux car en fait, elle était trop fan de moi. Mathilde, je l'ai rencontrée en formation. La première fois que je l'ai rencontrée, elle est venue me voir pour me demander si ce n'était pas moi qui avait une chaîne YouTube. Et ouais, je suis vraiment famous en fait. Grâce à elle, la nouvelle s'est ébruitée et tout le monde a vite été au courant. Merci Mathilde. On s'est liés d'amitié dès le début. Et elle m'a vraiment aidée à aller au bout de cette formation. Elle m'aide aussi toutes les semaines aux écuries. Notre première journée toutes les trois, ça s'est passé comme ça. Les filles se sont direct super bien entendues et après ça, c'était parti. Chaque semaine, elles venaient m'aider et donner un petit peu de vie à ces écuries parfois bien vides. Elles sont mon petit rayon de soleil qui me fait oublier le froid, la boue, les galères. Bref, je les aime. Et même si on se verra moins souvent maintenant, ce genre de journée ne s'arrêtera pas de sitôt, ça, je vous le dis. Oh, wow. Quand même, ah. Wow. Ça se dégage. Wow, on se connaît pas si bien que ça. Ah, ok, je me sens un petit peu... Il m'a respiré là. Moi j'aime bien les câlins. Il devait te dire, dans les amitiés, il y a toujours un qui est tactile, un qui l'est pas. Moi je suis très tactile. On se doutait. Bah, non mais oui, ça se ressent. Là, des fois, Mathilde a vu ça le matin, elle fait. Ouais. C'est mignon. Câlin wifi. Et moi elle fait. Oui, je voulais essayer que t'aimes pas. Mais si, maman, oh. C'est mignon. Ouais. Les prochaines fois, je te plaque, je fais « Oh putain, toi, qu'est-ce que je t'aime !» Dans un trio, il y a toujours un duo. Oh, Maléa. Oh, mais pourquoi? Parce que tu m'as dit que je respirais fort. Oh oui, le mot de la fin. Oui. Bah, elle respire fort. Oui. Bisous. Bisous. Bye. À la prochaine, on sait quand.